je prenne un buggy lunaire. Waouh. Mon problème, c'est que je suis dans la salle de contrôle et que le buggy est dans la navette, elle-même entourée par les techniciens. Tu pourrais peut-être essayer d'attirer leur attention. C'est ce que je devrais éviter à tout prix, non? En fait, non, parce qu'ils devront alors se rendre dans la salle de contrôle et tu pourras en profiter pour te faufiler jusqu'au hangar. Bon, ben, je vais appuyer sur des boutons au hasard. Qu'est-ce qui peut arriver au pire? Bonjour à tous et toutes, et bienvenue pour la suite. Bon, ben, la NASA, comme je vous l'avais promis. Hop. Rien de tel pour aller plus vite, ça. Voilà, donc déjà, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. Ce sera gentil. Un petit pouce bleu, toujours agréable. Et à la partager si ça vous plaît. Dites-moi si vous faites le jeu d'ailleurs. Préparation de la navette pour le test des propulseurs. Vérification des mesures de sécurité. Et. Ok, le frein à main est bien en place. Bon, je pense que piloter une fusée, c'est un peu comme faire du rodéo. Hop là. On va voir ce qui me manque. Il n'a pas manqué grand chose. Ben voilà, 2 sur 4, ok. Il me manque en fait tout, ok. Ok, ok. Hop. Hop là, on se téléporte super vite. Ça chatouille un peu d'avoir tous ces atomes réarrangés par un téléporteur. Hop, une fusée au moins. Et c'est parti. Oh, pauvre fusée. Elle n'a pas été bien, bien loin, on va dire. Il y a un tableau. Hop là. Ah. Deux tableaux. Et j'ai tout. Toujours un peu d'humour, ça fait du bien. Hop, on ouvre ça. Ça fait quoi? Ah, ça c'est là-bas. Oui, je sais, c'est toi qu'il faut. Hop là. J'aurais besoin d'un ingénieur pour vérifier la butée flexible de la tuyère du propulseur d'appoint à poudre. Et j'aurais besoin d'un deuxième ingénieur pour m'expliquer ce que peut bien être la butée flexible de la tuyère du propulseur d'appoint à poudre. C'est le porte-tasse, c'est ça? Et le troisième tableau. Sur la piste. Hop. Eh ben, heureusement que la pile de ma montre
Tu m'étonnes. Mais téléportation. Ah non. Ça nous fait venir. Ça nous fait apparaître. Un truc. Hop là. Et de deux. Monte à l'étage. Marrant ce qu'ils disent en fait. On va tout casser. De toute façon, il faut casser, donc ça sera fait. Ce qui se casse pas, de toute façon, c'est ça va me servir pour plus tard. Policier, déjà ça. On va en mettre un. Là, faut essayer d'appuyer. Ah, ma bonhomme. Malfaiteur, cool. Test de la réception radio de la navette en cours. Crazy Dave, en votre compagnie, avec des tubes non-stop pour les 6 prochaines Test semaines. Test de la réception radio terminée, RAS. Hop. Et de deux. C'est quoi ça? Bon, simplement de l'argent, ok. Alors, ce que je nous amène l'argent. Bah ici, évidemment. Début des préparatifs finaux. Ravitaillement en carburant amorcé. Hop. Niveau de carburant de la navette à 1% en progression. Niveau de carburant de la navette à 2% en progression. J'étais un peu trop vite. Le ravitaillement s'est interrompu à 3%. Est-ce que quelqu'un aurait un bidon d'essence plein dans sa voiture? Non. Personne. Ah, carrément même. Hop. Et on se promène. Celle la vidéo en prison, je la regardais les planètes qui tournaient. Ok. Et on monte. Oh, je me demande si mon permis de conduire est aussi valable pour les vaisseaux spatiaux. Voyons voir. Ellie, comment je sors le buggy de la navette?
Il devrait y avoir un bouton pour ouvrir la trappe de chargement. Mais ça a besoin de courant pour s'ouvrir, non? Bah oui, pourquoi? J'ai court-circuité l'alimentation électrique tout à l'heure. Et maintenant, ils sont tous dans la salle de contrôle. Bon, attends, ok. Il devrait y avoir des lasers à haute énergie dans le hangar. Tu peux les utiliser pour alimenter la navette. Waouh! On trouve vraiment tout ce qu'on veut dans ces encyclopédies en ligne. Ok, il y a autre chose que je devrais savoir? Les précipitations annuelles à Lego City. Merci, Ellie. Ensuite... C'est le laser. Jusque-là, normal. Jusque-là, rien à dire. Ouais, c'est ça. Guy lunaire, cool. Ah, un compte sur 5, ok. Là, c'est quoi? 2, ok. C'est lui, voilà, j'étais trop près. Qu'est-ce que ça fait? Ah, je ne me souviens pas l'avoir fait ça. Je m'en souviens pas. L'électricité là en fait. Où est-ce qu'il faut mettre le truc? Ouh, il est bien loin. Allez, prends en dessous. Hop là, voilà, j'étais pas allé. Première fois que j'y vais. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va foutre? Quel intérêt de faire ça? Bizarre, il y aura un deuxième code. Où est-ce qu'on va là? Oula! Tout ça, j'ai pas fait, évidemment. Ok, ça c'est le méchant. Cool, une brique rouge.
Ok, donc là c'est bon. Donc logiquement tout ça je l'ai fait déjà. Mais pourquoi il faut refaire en bas le... Bizarre ça. Qu'est-ce que ça fait si je le fais une deuxième fois? Bizarre, je vois pas pourquoi je les ai fait. Enfin bon. Jusque là, hop, ça c'est normal. Qu'est-ce que ça fait? Laser 1 connecté. Ah voilà. Ok, il faut maintenant le laser 2. Jusque-là, nous sommes d'accord. Ça, c'est bon. Dans ce sens-là. Ensuite, ça c'est bon. Et j'ai dit rouge. Ça c'est ok. Donc, on va être obligé de rechanger. Jusqu'à ça, ça va. Laser 2 connecté. Système de la navette activé au minimum. Cool. Évidemment, faut monter maintenant. Jusque-là, nous sommes d'accord. Et attaque. Ça. Donc ça c'est tout bon. Me suis déjà fait avoir une fois. Totalement nul. Il manque un bonhomme et deux plaques. Ok. Hop là, on se calme.
Là, oui, on voit. Donc cette boîte, voilà, je vais pouvoir monter maintenant. Mais ça va, ça pourra aller où? En fait, c'est si j'ai pas le... Ok. C'est si je n'ai pas le truc en fait. Faire plus vite. Ok. Pas de problème. 4. La fois 4 mémoires. Je m'en souviens. On se demande ce que je fous là-dedans, mais bon. Jusque là, ça c'est ok. Ok, jusque là c'est toujours ok. Il manque un bonhomme et deux trucs. C'est quelque chose au bout là en fait. Non. Il n'y a rien là. Par contre, il y a quelque chose au fond là-bas. Ce qui est plutôt logique. Vu qu'il manque de trucs, hein, c'est obligé qu'il y ait quelque chose quelque part. Hein. Ça, c'est plutôt normal. Oh, attention. 3, ok. Il peut rien y faire, lui. Logiquement ça a explosé. Voilà, ça peut se servir qu'une seule fois. Tant pis. J'aurais essayé. Donc là on peut rien faire. Ça c'est ok, c'est ok. Ça c'est après. Désolé, mais je tire dans un raté. Là ça a permis de défaire, mais je ne sais pas pourquoi j'ai défait en fait. Je
pas compris. Je n'ai pas compris. C'est de bon vieux, ça. Ce truc sort d'une discothèque ou quoi? Ah, bah voilà. C'était un peu comme jouer à la marelle. Voilà pourquoi. Ouf. 4, 4, 2, il manque encore un bonhomme. Il me dit aussi pourquoi il fallait tout refaire le truc. C'était pas normal. C'était pas normal. Donc là c'est normal, on fait le vaisseau. En fait il va manquer un bonhomme, je le sens. Ça me souche, je comprends pas comment. Pas trop comment. Oui, je sais. Non, ah oh, oui, je sais. On se calme. Ouais, mais si je suis là, je perds mon ce sort. Bon, bah tant pis, j'ai pas trouvé le bonhomme. Je chercherai, puis je vous redirai à l'occasion. Je referai le niveau, au pire. Je comprends pas. Je vois pas où est-ce que j'ai pu le rater. Il manque un bonhomme. J'ai goûté. Donc on va voir, mais normalement, ouais, il manque un personnage. Bizarre, bizarre. Ouais, j'ai pas fait 100%, fait chier. Bon, moi je chercherai, puis je vous le dirai où il est. Sur ce, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu, puis à partager. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.